Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans ce quatrième épisode de DDLC. Hein. La dernière fois, on avait continué à écrire des poèmes. Hein. Bon, c'est pas bien passionnant pour l'instant, mais je demande à voir pour l'instant. Donc le festival approche et on s'entraîne à écrire des poèmes. Et en fin d'épisode, on avait écrit encore un poème. Enfin, on avait choisi des mots. Et il y avait un petit rapprochement avec Sayori quand même. Hein. Je sais pas vous, mais attention. Bon, allez, c'est parti pour cette nouvelle journée sur des DLC. Ah, misère! Je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas, je viens d'à peine d'entrer aussi. Tu t'es entraîné encore au piano? Oui. Ah, tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Eh ben oui. Eh bien, ce n'est peut-être pas de la détermination, mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club n'en serait pas là sans vous tous. Et je suis très contente que vous acceptiez tous d'aider aussi pour le festival. Ah, vivement le festival, ça va être génial! Hein? Tu ne t'en plaignais pas hier justement, Natsuki? Bah oui, je ne parle pas de notre partie du festival. Mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. On croirait un peu entendre Sayori tout à coup. Monica, est-ce qu'ils ont des calmars frits d'habitude? Des calmars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Bon, j'ai regardé un petit peu sur internet. Calmar, ça n'existe pas, c'est calamar. Hein. Calamar frit. Donc ouais... Oh, allez! Tu vas pas me dire que tu n'aimes pas les calamars. Les calamars, hein. Toi, parmi nous tous. Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire parmi nous tous? Parce que c'est dans ton prénom. Monika. Ika, Ika égale calamar en japonais. Ah, d'accord! Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Et puis, cette plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Ah, oublie. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment, entendu? Hé. Oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori, de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayori, d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée et des yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hé, Sayori! J'agite ma main devant elle. Hein? Tu ravasses encore? Ah, hé, pardon, ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tout va bien? Bah, mais bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien et tu vois? Sayori me montre un grand sourire. Ne te laisse pas te distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien, bah d'accord. Si tu le dis, je lance quelques regards inquiets vers Sayori avant de me tourner vers les autres. Mais la discussion a déjà viré à autre chose avec les autres retournant à leurs activités habituelles. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Vu qu'elles font les préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range des papiers sur son bureau. Linkos, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais... As-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise sans entrain une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surprise. Cela devrait plutôt être à moi de te poser la question, Linkos. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc je vais lâcher l'affaire. Non, non,
C'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son ami. Et je m'inquiète du bien-être de mes membres, tu sais? Peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein? Tu en es sûr? Elle semblait vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi, Linkos. Ah, hein? Moi? Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop en parler, mais Sayuri parle majoritairement de toi, tu sais? Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? J'en crois pas un mot. Sayuri est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, Linkos. As-tu déjà pensé que peut-être elle te paraissait si joyeuse? Justement parce qu'elle l'est quand tu es avec elle? Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je voulais pas sauter aux conclusions, donc tu devrais juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier, mais je sais déjà que je ne pourrai pas sortir ces mots de ma tête. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller là où Sayuri est assise. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayuri et lui parler doucement. Mais elle parle à voix basse, je n'arrive pas donc pas à entendre d'ici. Je lâche un soupir et m'assis. Je sais que Sayuri m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et de m'amuser avec les autres. Mais c'est une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point est-ce que je me soucie d'elle pour que j'en sois autant affecté? Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Bien, les amis. Après quelques temps, Monica appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager nos poèmes maintenant? Avant que je ne m'en rende compte, tout a repris son cours normal. Tout le monde est parti récupérer son poème, je fais donc de même. Je croise le regard de Monica, elle me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a bien pu parler avec Sayuri. Ouais, c'est vrai que bon. Alors, ah là là, je me demande si ça influe vraiment... si on montre en premier telle personne, quoi. À mon avis, oui. Hein. Du coup, à qui on va de montrer en premier? Bon, attendez, je vais boire un petit coup. Eh ben tiens, on va montrer ça à Monica avant. Bonjour Linkos, tu as réfléchi à ce que tu voulais proposer pour le festival? Eh bien, c'est une chose d'être dans ce club et jouer devant une foule. Je vais devoir y réfléchir un peu plus. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certaine que ça donnera quelque chose de bien. Ça me ferait aussi plaisir de voir ça. Ah. Bon, allons jeter un œil au poème d'aujourd'hui. Oui. Je laisse Monica saisir le poème que je tiens dans mes mains. Ah, c'est plutôt drôle. Comment ça? Non, pas le poème. Je veux dire, c'est drôle de voir à quel point tes poèmes et ceux de Sayuri sont devenus de plus en plus similaires au fil des jours. Je suis surprise que tu sois si synchronisée avec elle. Encore une fois, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, n'est-ce pas? Ah, j'imagine qu'on peut dire ça. Même si on a grandi ensemble comme meilleurs amis, je ne l'ai pas vu tant que ça l'an dernier. Mais depuis que j'ai rejoint le club, nous avons à nouveau passé beaucoup de temps ensemble. Je vois. D'ailleurs, je viens de me rappeler à quel point Sayuri paraissait troublée aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Ah, à vrai dire, Linkos, tu aurais pas flirté avec elle par hasard? Non, pas du tout. Je me suis comporté avec elle comme je l'ai toujours fait. D'accord. Ouais, bah après, si c'est elle qui interprète comme ça, hein, moi, je veux bien que je sois proche d'elle, mais bon, après, si je fais pas exprès aussi... Je voulais juste m'en assurer.
Je sais à quel point tu tiens à elle. Ce serait vraiment terrible si quelque chose lui arrivait, donc garde un œil sur elle. Sayori paraît tellement joyeuse depuis que tu as rejoint le club. Qu'est-ce qui a pu se produire tout à coup? Bref, peu importe. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Bon, je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. Alors, la dame qui sait tout. Ah bah d'ailleurs, bah oui. Ça doit être elle, hein. Donc, une vieille histoire veut qu'une dame erre sur terre. La dame qui sait tout. Une belle dame qui a trouvé toutes les réponses, tous les sens, toutes les raisons d'être et tout ce qui un jour a été recherché. Et il y a moi. Une plume. À la dérive dans le ciel, à la merci du vent. Jour après jour, je cherche. Je cherche avec de maigres espoirs, consciente que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste m'a fait défaut, quand tous les autres m'ont tourné le dos, ne reste que la légende, la dernière lueur étoilée que scintille dans le ciel crépusculaire. Jusqu'au jour où le vent cesse de souffler. Je tombe et je tombe et je tombe toujours davantage, aussi délicatement qu'une plume sèche, vide d'émotion. Mais ma main m'attrape, ma grippe entre le pouce et l'index, la main d'une belle femme. Je plonge mon regard dans le sien et n'y trouve pas de fin. La dame qui sait tout, sait à quoi je pense. Avant même que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, toutes celles qui n'apportent rien. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'être, et nous cherchons que l'impossible. Je ne suis pas ta légende, celle en qui tu crois n'existe pas. Et dans un souffle, elle me remet à flot avant qu'une rafale ne m'emporte. Oh. Tu sais, j'ai l'impression qu'apprendre et chercher des réponses sont le genre de choses qui donnent un sens à la vie. Pas que je veuille être trop philosophique ou quoi que ce soit, mais c'était plus ou moins ce que j'avais en tête, donc c'est ce sur quoi j'ai écrit. Je vois. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. D'une certaine façon, c'en est presque paradoxal. Ouais, j'ai du mal, moi. Parce que si nous avions toutes les réponses, le monde ne commencerait-il pas alors à perdre de son sens? C'est bien vrai. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. On dirait que tout le monde dans le club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Ah, es-tu surpris? Je veux dire, si tout allait bien, nous n'aurions pas vraiment de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? L'homme n'est pas une créature bidimensionnelle. Je pense que tu devrais le savoir plus que quiconque. Tu veux dire unidimensionnel? Ah oui, c'est ça. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. As-tu déjà été trop intimidé à l'idée de partager des écrits parce que tu as peur qu'ils soient mauvais? Cela peut être vraiment décourageant d'obtenir une réponse plutôt froide pour une chose dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Mais si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient bien plus facile. Ah ouais, non, mais c'est vrai que je m'en rends compte, mais ils écrivent des choses assez tristes, voire glauques pour certaines comme Yuri, enfin. Ouais, c'est bizarre, je sais pas ce qu'elles ont trop dans leur tête pour l'instant, mais elles sont assez tristes, hein. Bien quand on les voit comme ça, elles ont l'air joyeuses, hein. Enfin bon, parce qu'au lieu de te dire simplement que ton écriture est bonne ou pas mal ou mauvaise, ils se focaliseront plutôt plus sur tes efforts, les sentiments que tu as insufflés dedans, tout comme les choses sur lesquelles tu peux travailler. C'est bien plus encourageant de cette façon et cela te permettra de continuer à t'améliorer. C'est presque comme avoir son petit club de littérature, tu ne penses pas? Voici mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Alors, à qui devrais-je le montrer ensuite? Bon, alors attendez, je vais encore boire un petit coup. Voilà, c'est bon. Alors, à qui devrais-je le montrer ensuite? À Sayori, Natsuki ou Yuri? Ouais, bon, on va dire Natsuki, allez. On montrera à Sayori en dernier. Celui-là est passable. Passable? Bah oui. Aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu vas en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu aies essayé un minimum. Évidemment que je vais essayer, au moins essayer. Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Hein? Non!
C'est répugnant. Ce n'est pas comme si je m'en préoccupais. C'est juste que l'une d'entre nous dans ce club doit s'assurer que tu ne procrastines pas. C'est vrai ça? D'accord, mais si tu finissais par me faire fuir? Ce n'est pas comme si tu ferais vraiment ça. Oui, tu as raison. C'est amusant de traîner ici même si je dois te supporter. Gah. Le coude de Natsuki percute mon estomac. Oh, peut-être qu'en fin de compte, ça ne me dérangerait pas de te faire fuir. C'était qu'une blague, hein. Oh, je sais bien, ne t'en fais pas pour moi, moi aussi c'en était une. C'est ça, que tu appelles une blague? J'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu mal. Bah, peut-être que c'est drôle pour elle. Je suppose que c'est un peu le but. Je devrais vraiment surveiller ma langue avec Natsuki. C'est vrai qu'avec elle, il faut vraiment faire attention comment on parle. Hein. Waouh. Bref, Natsuki me confie son poème comme s'il ne s'est rien passé. Oh lolo, c'est trop long, hein. Je serai ta plage. Ton esprit est si rempli de peur et d'ennui que pendant des années, ton éclat a été... quoi? Terni, terri... Ouais, terni. Mais aujourd'hui, je courais un endroit, une plage qui nous attend. Un rivage qui s'étend à perte de vue. Une mer au scintillement absolu. Comme neige au soleil, la mer fondra. Dans ton esprit brillant, je serai la plage qui vaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera bondir ton cœur. D'une façon que tu croyais envoler pour toujours, enterrons tes soucis dans le sable au loin. Baigne-la dans la lumière et prends ma main. Jette tes incertitudes dans l'eau salée et laisse-moi te voir briller. Abandonnons tes souvenirs telle une traînée d'empreinte. J'ai du mal à lire avec sa police d'écriture. Hein. Libérons ton esprit dans ma voile enceinte. Remémorons-nous les raisons qui font que tu es merveilleux. Lorsque tes lèvres couvrent les miennes sont posées. Oula. Ah non, contre les miennes sont posées. Je serai la plage qui vaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera bondir ton cœur d'une façon que tu croyais envoler pour toujours. Mais si tu me laisses être à tes côtés, ta propre plage, ta propre façon de t'échapper, tu apprendras de nous à t'aimer. D'accord? Oui. J'ai l'impression que je continuais d'écrire sur des choses négatives. Donc j'ai voulu écrire quelque chose avec un beau message pour changer. C'est vrai ça. En plus, la plage, c'est génial. C'est plutôt dur d'écrire quoi que ce soit sur ce thème. Donc tu as d'abord décidé d'écrire sur la plage, puis de réfléchir au message ensuite. Oui, bah, c'est uniquement à cause de ce qui s'est passé hier. Comment dire, après que Yuri et moi avons réalisé ce qu'on a écrit sur le même sujet, elle a voulu en choisir un sujet qu'on écrive toutes les deux dessus. Ah, je l'imagine très bien faire ça aussi. Nous faire écrire sur un sujet simple, puis tenter de m'impressionner en rédigeant quelque chose de sophistiqué. Bah, ce n'est pas comme si je m'en préoccupais. Je l'ai simplement fait. Je veux dire, le mien aussi peut être vu comme métaphorique sur les bords. Mais il n'y a pas de mal à faire ça de temps à autre. Au moins, c'était un bon entraînement. Ok, bah justement on va enchaîner sur Yuri pour voir une comparaison entre eux deux. Allez. Beau travail Linkos, tu t'es visiblement amélioré durant les quelques jours qui se sont écoulés depuis ton arrivée. Ah, mon conseil t'a-t-il été utile? Oui, sans aucun doute. Tu m'envoies ravi, partagez nos écrits ainsi. C'est bien plus amusant et gratifiant que ce que j'avais imaginé. Je dois penser à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début. Mais maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ses poèmes et voir ce que les autres en pensent. J'imagine que je peux pas vraiment te contredire. J'avais peur que tout ça soit une corvée, mais c'est une bonne façon pour moi de passer un peu de mon temps libre avec toutes les filles de ce club. Mais ça a été amusant d'apprendre à connaître chacune et leur style d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, Linkos? Hein? Tu sais,
sais à quel point j'aime dire que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance si tu es un bon ou un mauvais écrivain. Et même mes opinions ne sont, sont à prendre comme telles, tu vois? Comme toujours, je pense que le plus important, c'est de s'explorer et de se découvrir. C'est encourageant. J'ai en quelque sorte peur de te décevoir d'une manière ou d'une autre. Hein? Pourquoi moi? Eh bien, tu es toujours sophistique avec ton écriture et tu as le plus de conseils à partager. Ah bon, vraiment? Yuri reste pensive durant une bonne minute. Cela doit être horrible. Hein? Que je sois devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable. Comme c'est déplaisant de ma part. Yuri, ce n'est pas aussi mauvais que ce que tu crois. Je voulais seulement dire que j'ai respecté ton opinion. Je vois, je suis désolé de toujours suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. J'ai simplement un peu trop l'habitude de cela. Le suranalyse, être détesté. Yuri, qu'est-ce que je raconte? Je suis désolé, je ne voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. Entendu, tu veux partager ton poème maintenant? D'accord. Voilà. Alors, plage. Encore un... Ah bah... Ouais, c'est sur le même thème, c'est vrai. De millions d'années si belles à en devenir, où dans le chaos, le noyau de notre terre embrasse la surface. Sous le firmament où le bonheur s'étend, sous le gris des rues où l'éternel énigme attend, dans un monde de perdition, un monde où l'impossible n'est plus fiction. Nul ne saurait bâtir un château de sable mouillé. Sa présence annonce la venue de la marée. Cassera-t-elle tes fondations jusqu'à leur destruction? Est-ce une vague qui a le temps d'un soupir te fera périr? C'est ainsi que cela doit se finir, et nous continuons à bâtir des châteaux de sable. Je me tiens ici, l'écume aux pieds, les orteils dans le sol, terré, l'air salé et ma panacée. Ok. La brise tendre demeure plus puissante. Te plonge le pied, tenté par les spirales d'écume, je franchis cette ultime frontière. Reviens-moi et je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi et à la terre, je retrouverai sans appel. Je sais que la plage est en quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire, mais j'ai fait de mon mieux pour l'approcher de façon métaphorique. Oui, Natsuki m'en a déjà parlé. Elle a fait cela? Elle n'a rien dit de bizarre, j'espère. Elle voulait juste qu'on écrive de nouveau sur le même sujet. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture ou nos procédés de réflexion. Enfin, c'était son idée. La connaissant, ce n'est pas une surprise qu'elle veuille faire quelque chose de ce genre. Elle veut probablement seulement se la jouer. Ce n'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. J'ai simplement suivi sa demande. Mais... Eh bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Ça peut être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de me calmer l'esprit de temps à autre. Oui, je pense être d'accord avec ce sujet. Ouais. Merci d'avoir partagé ton poème. Et enfin, Sayori. Attention avec Sayori, hein. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. C'est vraiment bien, Linkos. Merci. Sayori, tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien? Hein? Bien sûr, tout va bien. Peut-être que je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. Tu veux aller faire une sieste? Non, c'est absurde. T'en fais pas pour moi, d'accord? Je ne veux voir que des sourires sur ton visage. Bien, d'accord. Dis, Linkos, je suis toujours un peu surprise. Je pensais vraiment que tu allais essayer d'écrire tes poèmes dans le même style que Yuri. Ou même Natsuki. Mais à la fin, oui, c'est sans doute toi qui l'aimes le plus. Pourquoi? Tu ne veux pas te rapprocher des autres? Attends! Bien sûr que j'en ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. C'est toi que je comprends toujours le mieux, Sayori. Je sais que parfois tu dois me supporter, et d'autres fois les rôles sont inversés.
Mais nous sommes sur une même longueur d'onde, donc quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose excitante dans ma vie. Donc parfois, c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. Sayori? Non, Linkos. Je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil envers moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sayori a du mal à contenir sa voix, tout à coup. Si tu t'étais amusé avec les autres plus tôt, tout serait tellement plus facile. Sayori! Je jette un œil autour de moi pour m'assurer que personne n'a remarqué ça. Sayori, je ne l'ai sûrement jamais dit avant, mais je ne comprends pas ce que tu ressens en ce moment. Dis-moi ce qui te remontera le moral. Sayori secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Finalement, elle se ressaisit et sourit. C'est rien, Linkos. C'est juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies dû voir ça. Je promets que ça n'arrivera plus. Juste des sourires de tout le monde, d'accord? C'est tout ce qui importe. Va t'amuser avec les autres. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori, dis à Monica que je ne me sens pas bien, d'accord? À demain! Avant que je ne puisse dire autre chose à Sayori, quitte joyeusement la salle de classe en fredonnant. Par contre, ben, on n'a pas dû lire. On n'a pas lu sa lettre, tiens. Enfin, son poème. Bien, vous trois, nous avons tous fini de partager nos poèmes, n'est-ce pas? Pourquoi ne commençons-nous pas à chercher... Minute papillon, c'est juste moi ou tu viens de dire que quelque chose de bizarre à l'instant? Hein? Quelque chose qui semble un peu insolite. Elle a raison. Tu as dévié de ta phrase d'accroche habituelle en t'adressant à nous. Une phrase d'accroche? Je n'en ai pas? Mon Dieu, pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affecté. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Dans tes livres, peut-être. Regarde, la seule différence, c'est que Sayori n'est pas là. Ah! Ah merde! Bah voilà, c'est ça en fait le malaise, lol. Ah! Il semble que tu aies raison. Ah! Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? C'est presque comme si l'équilibre est perturbé par son absence. Ou a-t-elle bien pu s'enfuir d'ailleurs? Je pensais qu'elle était juste allée aux toilettes. Natsuki, un peu de tact, s'il te plaît. Oh, allez! Ah, elle ne se sentait pas trop bien, elle est rentrée plus tôt. C'est donc ça. J'espère qu'elle va bien. Sérieusement? De toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle, tu choisis le moment où elle ne se sent pas bien? Ça doit être dur de jouer les amoureux. Ah non! Tout d'abord, arrêtez de vous méprendre sur ma relation avec Sayori. Et ensuite, elle m'évitait un peu aujourd'hui. Je n'ai donc pas voulu insister. Oh! De toutes ces filles, c'est Yori qui montre le plus d'intérêt. Calmez-vous, les amis. Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons nous occuper du reste des préparatifs du festival, donc décidons de ce que chacun fera ce week-end. Je sais déjà ce que je dois faire. C'est vrai, Natsuki fera ses cupcakes, mais nous pourrions en avoir besoin en grande quantité et de différentes saveurs. Tu penses pouvoir gérer ça toute seule, Natsuki? Défi accepté! Quant à moi-même, je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie. Sayori m'aidera à les concevoir. Quant à Yuri. Yuri, tu peux. Dites. Vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je ne suis bon de rien. Oh là là, la pauvre Yuri, quoi. Non! Ce n'est pas du tout ça! Tu es la personne la plus talentueuse ici, tu le sais. Maintenant, c'est Natsuki qui boude. Bon sang, même moi je peux le dire maintenant. J'ai sûrement négligé le rôle de Sayori jusqu'à présent car les choses sont plus difficiles pour toi quand elle n'est pas là. Ah, il se pourrait bien, mais si je ne peux pas être une meneuse, alors je n'évoluerai pas en tant qu'individu. Donc, Yuri, tu as une belle écriture, tu sais?
Tu devrais donc faire des bannières et des décorations pour aider à instaurer une bonne atmosphère. Une atmosphère? Et là, elle va faire un truc qui effraie tout le monde. Et ça en part en couille. Enfin, je ne sais pas. Hein, attention. À ce sujet, j'aime l'atmosphère. L'expression de Yuri change subitement, alors qu'elle fixe attentivement son bureau et commence à hocher la tête. Ton cerveau s'emballe déjà, je vois. C'est super! Tu nous seras d'une grande aide, Yuri. Et pour finir, il ne reste plus que toi, Linkos, le vrai bonarien de l'histoire. Ah, mais ne dis pas ça! En réalité, Natsuki et Yuri ont toutes les deux de lourdes tâches à gérer. Beaucoup de travail t'attendra pour aider l'une d'entre elles. Tu pourrais toujours m'aider également. Je t'en serai très reconnaissante. Ah, c'est... Est-ce que Monika vient de suggérer que je passe le week-end avec l'une des filles du club? Comment est-ce que je vais répondre à une telle suggestion? Ah, je suppose qu'avec qu'un peu d'aide ne me dérangerait pas. Eh bien, si tu ne sais pas comment faire des gâteaux, il y a toujours du travail ingrat que je pourrais te confier. Ce n'est pas comme si Monika allait me laisser le choix. Et puis tu ne devrais pas rester non plus les bras bâillants. Natsuki marmonne un paquet d'excuses. Comme ça quoi. Si je me rappelle bien, Natsuki, tu as parlé du fait que tu aimerais gérer la pâtisserie toute seule. Linkos n'aimera peut-être pas être dans les parages si tu le considères comme une nuisance. C'est pourquoi il est peut-être plus apte à m'assister avec les décorations. Attends, je n'ai jamais dit ça. Et puis d'abord, il y a quoi de dur à faire avec quelques décorations. Pour moi, ça sonne comme une excuse que pour que Linkos... Tu racontes. Ça sera un travail extrêmement méticuleux. Et faire de la pâtisserie, il n'en est pas. Pense ce que tu veux. Allons, allons. Calmons-nous un instant. En fin de compte, je pense que c'est à Linkos de choisir comment il aimerait contribuer. Ouais, je vais devoir choisir, à mon avis. Et de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Donc je suis sûr qu'il est intéressé pour... tu viens littéralement de dire que... Alors attendez, je vais faire un petit truc, là ça commence à bugger, donc je vais sauvegarder vite fait. Hein. Je suis également surprise. Pardon, pardon, ce n'était que des paroles, néanmoins. Bon sang, pouvons-nous juste régler ça au plus vite? Oui, Linkos, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est ta décision. Ah, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transperce du regard. Et bien évidemment, je vais aller avec... Bah oui, non, mais je vais pas dire ça, Yuri, elle est partie. Je vais la laisser un petit peu seule dans son coin. Franchement, j'ai envie de la laisser seule, je vais pas la réclamer. Natsuki, j'ai peur de passer un mauvais moment avec elle. Parce que vu comment elle est ingrate avec moi... Et Yuri, je sais pas, je me sentirais mal à l'aise avec ces trucs un petit peu perchés, décalés. Allez, on va dire Monika. Eh bien, je suppose que je devrais aider Monika. Super, tu m'as choisi. Minute, papillon. Oui, minute. Monika, c'est toi qui as le moins besoin d'aide entre nous toutes. Hein? Mais... Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail le plus adapté pour une personne, mais tu as également Sayori. Mais c'est Linkos qui a... Ah... Peu importe. Tu l'as poussé à te choisir. Tu es la présidente du club, Monika. Tu es censée prendre des décisions responsables. Monika, tu ne devrais pas laisser le fond de ta pensée influer sur ta décision. Le fond de ma pensée? Qu'est-ce que tu me chantes, là, Yuri? En fait... Je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas les idées claires. Pardon? Autrement, ça n'aurait pas pris une si grande ampleur. Ce sont des accusations mensongères, Monika. Exactement. On a du pain sur la planche, tu sais? Ce n'est pas en bossant seul qu'on arrivera à faire du bon travail. Ah, peut-être que c'est vrai. Pense au club, Monika. Si nous voulons que l'événement soit une réussite, alors nous devons nous répartir les tâches convenablement.
Ah, donc vas-tu prendre la bonne décision, présidente? D'accord, j'ai compris. Ah, c'est techniquement plus logique pour que Lynn cause des l'une de vous deux. Donc, j'imagine que c'est que ce que nous allons faire. Tu as une préférence, Linkos? Ah, bah bravo. Ah, mais Sayuri, elle se sent mal, mais... Ouais. Bon. Mais dans tous les cas, en fait, je laisse Sayuri de côté. Mais... Oh là, j'ai pas envie d'aider l'une des deux, là. Hein. Franchement, n'importe quoi. Hein. Je suis dégueu. Je suis dégueu. Mais si j'aide Natsuki... Ah, ça tombe. Elle va être gentille avec moi. Ouais. Bon. Peut-être que si je ne choisis pas Yuri, elle va révéler une autre personnalité. On va faire en sorte que Natsuki, elle s'adoucit un petit peu avec moi. Et je vais préparer de bons cupcakes. Allez, Natsuki, on est des fous! Je suis désolé pour toi, Idrei. Je suis désolé. Tu veux pas que je choisisse Natsuki, mais ah, je suis désolé. Eh bien, faire des gâteaux semble être amusant. Mais en vrai, ouais, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de faire des gâteaux et j'ai envie d'en bouffer un petit peu. Et vous avez dit que c'était pénible, donc ça pourrait être accompli à nous deux. À deux. Ne t'en fais pas. Cuisiner, c'est très amusant. Tu vas adorer. Hein? Il y a quelques instants, tu disais que... C'est parce que... Laisse tomber, d'accord? Bon, qu'importe. Tu t'en sortiras toute seule, Yuri. Yuri? Bien sûr. J'y suis habitué après tout. C'est bien. Même si Yuri est mélodramatique, c'est un peu dur de ne pas se sentir mal pour elle. Ah oui, c'est vrai, mais bon, voilà, t'es trop de mélodramatique, moi, ça... Enfin, je sais pas, ça me correspond pas, mais... Non. Non. Je suis désolé, Yuri, mais... Alors... Tout est donc réglé, n'est-ce pas? Autre chose que nous ou dont nous devons discuter? Non. Je pense que c'est tout. Vous avez hâte? Oui! Tout sauf la représentation va être géniale! Je ne pense pas... que ça compte vraiment. Et toi, Linkos? Moi? Bah, on peut dire que j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est bien assez pour moi. Et toi, Yuri? Yuri? Elle boude toujours. Natsuki commence également à faire la tête. Ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, ce n'est peut-être pas seulement ça. Je pense que Yuri doit se sentir un peu apprécié en général. On lui trouve quelque chose à faire et puis personne ne se propose pour l'aider. Mais ça ne veut pas dire que... Oh, Natsuki lance des regards inquiets vers chacun de nous. Écoute. Natsuki s'approche de Yuri et pose les mains sur ses épaules. Yuri, tu es vraiment la personne la plus talentueuse ici. Et... Tu vas aider à rendre cet événement beaucoup plus amusant et chaleureux. Je veux dire, les cupcakes seront aussi une partie de succès. Mais tu vas rendre l'atmosphère spéciale. Ce sera un facteur très important que les gens devront ressentir durant l'événement. Donc, tu dois cesser de faire l'imbécile et t'accorder un peu plus de crédit. Natsuki retire ses mains et se retourne dans la direction opposée. Tu n'étais pas sérieux, si? Pas vraiment, mais Yuri n'est pas la seule surprise. Monika et moi sommes tout autant étonnés des mots qui sont sortis de la bouche de Natsuki. C'est vrai que bon, c'est un peu étonnant. Étonnant. Que Natsuki, parmi nous tous, prononce des mots d'encouragement. Oh, bah oui. Et je commence à comprendre. Natsuki essaie d'endosser le rôle de Sayori. Même si ça n'a pas totalement marché, je vois bien qu'elle a essayé de parler comme Sayori l'aurait fait dans une situation pareille. Parce que Sayori fait de son mieux pour que tout le monde soit heureux et se sente bien. Je m'excuse d'être si stupide. Je vais faire de mon mieux. Et nous allons tous rendre cet événement mémorable. Oui! Oui! J'espère voir tout le monde faire de son mieux.
Après tout ça, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tous rentrer. D'accord, mais je vais rester ici un peu plus longtemps. J'ai presque rien lu aujourd'hui, donc entendu, il n'y a pas de mal à ça. Tout le monde ramasse ses affaires. Je commence à suivre Monica et Yuri vers la porte alors qu'elle papote. Où est-ce que tu vas? Hein? On doit toujours préparer nos plans pour ce week-end. Tu serais littéralement rentré chez toi sans te rendre compte que tu n'avais aucun moyen de me contacter. Ah, c'est vrai. Je ne sais pas du tout comment ça a pu m'échapper. Bon sang, heureusement que je t'ai arrêté. Je te donne mon numéro, d'accord? Tu ferais mieux de ne pas t'exciter pour ça. Pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Bon, je viendrai dimanche. Je vais apporter tous les ingrédients. Attends, tu viens chez moi? Bah oui. Où est le mal? Je reformule. Je me suis dit que puisque c'est moi qui aide, j'irai chez toi. Ah, c'est vrai. Comme si je pouvais venir chez un gars. Comme si je pouvais faire venir un garçon chez moi. Mon père me tuerait. Pour de vrai. C'est plutôt sévère si tu veux mon avis. Oui, comment crois-tu que je me sens? Je ne peux rien faire quand mon père se trouve à la maison. Peu importe, je voulais juste me plaindre un instant. On a nos numéros maintenant. C'est tout ce qu'il me fallait. Je t'enverrai sûrement un message quand je serai devant chez toi. D'accord, ça me va. Bien. Je vais te montrer réellement pourquoi j'adore autant la pâtisserie. Donc tu ferais mieux d'attendre ça avec impatience. Oh ! Tu n'as pas dit que tu allais juste me filer le sale boulot ? C'est parce que je disais ça comme ça. Ce n'est pas comme si je pouvais agir de la sorte devant tout le monde. Que j'attendais ce moment avec impatience. Quoi ? Sérieusement ? Eh oui ! Plutôt deux fois qu'une ! Juste parce que je n'ai jamais eu la chance de faire de la pâtisserie avec quelqu'un d'autre. C'est tout, donc... Mais en fait, je me demande si elle voudrait pas prendre la place de Sayori Natsuki. Mais bon, je m'inquiète quand même pour Sayori, là. Je veux pas dire, mais quand même. C'est tout, donc. Oui, j'ai compris. Désolé de me mettre emporté. Bon, je vais rentrer maintenant. À dimanche. Ouais, à dimanche. Hein. Ah. Non, rien. Je n'arrive pas à le croire. Natsuki va venir chez moi le dimanche? Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche. Bien que je me sois habitué à m'occuper d'elle à ce stade, personne ne peut dire ce qui pourrait finir par arriver en dehors de l'école. Et plus que ça, elle m'a dit qu'elle attendait ça avec impatience. Serait-ce ma chance de concrétiser quelque chose entre nous? Ou bien est-ce trop tôt pour ça? Seul le temps de nous le dire. Mais d'ici là, je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser. Franchement, j'ai tellement hâte d'y être. Bon. C'est déjà dimanche. La visite imminente de Natsuki me rend de plus en plus nerveux. Je me répète sans cesse qu'il n'y a aucune raison de l'être, mais rien n'y fait. Je me demande si elle agira différemment lorsqu'il n'y aura que nous deux. En attendant, elle m'envoie beaucoup de messages. Au début, chacun a envoyé un message à l'autre pour confirmer l'échange des numéros de téléphone. Puis une conversation s'est engagée. On dirait presque qu'elle a une seconde personnalité par téléphone, qui utilise beaucoup d'emojis et parle de façon adorable. Elle aime aussi beaucoup se plaindre de tout et de rien, mais ça, je l'ai vu venir. Mais bon. Mettons Natsuki de... Mais... Ouais, je n'ai pas eu de nouvelles de Sayori depuis qu'elle a quitté le club plus tôt que prévu l'autre jour. Ce n'est pas comme si on s'envoyait des messages tout le temps ou quoi que ce soit. Mais depuis ça, une partie de moi il t'inquiète à son sujet. Ah, ouais, ça c'est sûr, je l'ai dit en plus. Hein. Entre ce qu'a dit Sayori et ce qu'a dit Monica, dois-je vraiment mettre de côté mes sentiments pour Sayori alors qu'elle a peut-être besoin de moi? Je décide d'aller rendre visite à Sayori avant que Natsuki arrive. Plutôt que de lui expliquer, je lui ai simplement dit « j'arrive » comme nous en avions l'habitude par le passé. Une fois devant la porte d'entrée, je toque, puis entre sans attendre de réponse. On jouait si souvent ensemble que ce comportement devint ordinaire, comme si nous étions de la même famille. L'intérieur de la maison est silencieux. Sayori est introuvable au rez-de-chaussée.
J'en conclus donc qu'elle est dans sa chambre. Eh bien, écoutez, les amis, c'est peut-être un épisode un peu plus court que les précédents, mais on va s'arrêter ici parce que. Alors là, ça me met un suspense de fou. Mais peut-être pour vous aussi, parce que bon, ça diffère en fonction de nos choix. Donc peut-être que vous avez envie de savoir la suite. Mais ne vous en faites pas, la suite arrivera tout de suite. Enfin, tout de suite, très très bientôt en tout cas. Juste quelques jours après ou peut-être le lendemain, qui sait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était très intéressant, hein, surtout au niveau du comportement des filles, parce qu'on voit que ça évolue bien quand même. Ça commence à bouger un petit peu. Enfin, on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous voulez la vidéo. Et on se retrouvera pour le cinquième épisode, les amis. Allez, bye tout le monde!